cheveux blancs, un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je reviendrai danser une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Ce que j'ai pensé à toi, les nuits d'hiver où j'avais froid. Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis, franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai entièrement le droit de vous appeler. Je suis le fils du propriétaire de ce camping. Et quand mon père est absent la journée, c'est moi le boss. Alors, maniez-vous. J'en sais quoi, on trouvera peut-être un plombier. Bonjour chez vous. Salut. Mais... tu vas pas recommencer. Il me semblait que j'avais été claire avec cette vie. Mais franchement... qu'est-ce que tu lui trouves? Arrête, ne sois pas ridicule. Christina et Céline sont des amis de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâchée avec eux l'an dernier que je dois les ignorer. Moi, je peux pas les supporter. Ils sont toujours à critiquer. Arrête, on est en vacances, profite-en. En plus, si tu veux pas les voir, je crois que le camping est assez grand. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi? J'en ai marre de passer après les autres. Salut. Arrête, tu restes toujours ma meilleure amie. Quoi? Quoi? Que des galères aujourd'hui, punaise! Oh, right. As you like. Tu te rends compte, je lui ai proposé de passer nos vacances ensemble, il a refusé. Oui, mais ça c'est normal, toi tu organises tout, normal qu'il ait envie de changer d'air. Oui, résultat, nous voilà ici dans un mobil-home. C'est normal qu'il ait eu envie de réfléchir avant de s'engager, non? Et dire que j'avais tout prévu, randonnée à cheval, escalade, tu trouves ça nul toi? Non, mais c'est très chiant et puis très prévisible, tu fais tout le temps les mêmes choses. Internet, j'ai tapé vacances tranquilles. C'est normal qu'il ait eu envie de réfléchir avant de s'engager, non? Remarque, quand je pense à votre dernier rendez-vous, j'ai envie de rire. Tu te rappelles au bistrot des quatre chemins? Et comment je me rappelle? Je l'ai observé, il faisait encore un retard pour le tester. Je l'entends dire, garçon, il est plus de 6 heures. Ah, il est plus de 7 heures. Ben, elle ne va pas tarder, elle avait dit 6 heures. Hein? Non merci, pas de café. J'en ai déjà pris 6. J'ai peur d'être énervée après. Tiens, la voilà. Alice, je suis là. Et toi, lui dire, je suis en retard, ça fait longtemps que tu es là? Non, non, je viens d'arriver. J'ai toujours su mentir avec l'as. Vous étiez bizarres tous les deux ce jour-là. Ah ben, tiens, on va se rejouer cette journée mémorable. Je joue à mon mec et toi, tu te mets dans ma peau. Que je me rappelle. Ah, alors ton nouveau scooter, il est où? Ben en fait, je l'ai laissé là où il l'a calé. Je l'ai pas bien armé encore ce scooter. Bon, tu veux boire quelque chose? Ah oui, un surfeur avec du Schweppes.
Ah, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin. J'ai envie de faire connaissance d'un surfeur. Non, je n'ai pas dit ça, t'exagères. Je t'assure que oui, c'est exactement ce que tu as dit, ça m'avait même surprise. Il lui de dire, ah bon, ben moi je vais reprendre 6 cafés. Un café. Alors, tu t'es acheté un nouveau scooter ? Dis-moi, tu espères vraiment le retrouver ? Mais oui, je vais le récupérer. J'ai trop de charme, non ? Oui, si on veut. Tu veux que je te dise, mon prof d'histoire est nul de m'avoir mis que 12 sur 20 alors que j'ai largement le niveau pour en avoir 18. Ça m'énerve. Attends, c'est quand tu as 12, c'est quand tu vaux 12, et puis 12 sur 20 ! C'est pas si mal, faut savoir t'en contenter. J'ose mettre dans mes contrôles des infos qu'ils m'aiment pas foutu de nous donner en cours. Et si tu te contentais de leur donner ce qu'ils te demandent, t'aurais sans doute de meilleures notes. Oui, mais bon, je veux pas me contenter du minimum. Je te sens un peu tendu. Tu devrais essayer la piscine, c'est trop cool. Quoi, qu'est-ce que tu dis ? Mais je rigole, va te baigner, elle est super bonne. Dis-moi, Gigi est arrivée ? Non, ils sont pas tous encore arrivés. Non, mais moi, je veux parler de Gigi. Les autres, je m'en fous. Bon, écoute, tu m'excuseras, mais là, je te rappelle que j'ai pas mal de boulot. Je remplace mon père pour la journée. Alors, si tu veux bien m'aider ? Non, pas là, mais plus tard, sûrement, avec grand plaisir. D'accord. As you like. Dis-moi, Jessie, quand tu vas rencontrer Kevin, tu ne lui dis rien à propos de nous. Tu me l'as déjà expliqué 10 fois, je sais. On est quand même sortis ensemble pendant 10 jours. Et puis, de toute façon, Kevin, faudra bien qu'il te fasse la tête. C'est une mauvaise situation. Dis-moi, je compte sur toi pour tous les extras au camping. T'inquiète pas, avec moi, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu sais que j'ai un avenir de mannequin qui m'attend. C'est un peu tôt quand même, non ? Je te rappelle que j'ai passé un casting à Paris. T'emballes pas, vous êtes chez plus de 100 pour des photos pour un catalogue. Le responsable du casting m'a dit que je prenais parfaitement la lumière. Et bon, te faire plaisir, sois prudente. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire ? À me décourager ? Ne te fâche pas, Gigi. J'ai du talent pour ça. Dis-moi, Gigi, ça t'arrive pas de te reposer ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Manque de chance. Leur voiture a haché et en plus, ils ne peuvent pas être dépannés avant demain. C'est pas de chance. La nuit, c'est qu'il n'y a plus de chambre d'hôtel dispo nulle part. Faut pas vous inquiéter, il y a toujours une solution. Oui, bien sûr, c'est un super camping. Formidable, on est très content de l'apprendre. Attendez, c'est pas tout, on a même des tables de ping-pong. À propos, je suis embêtée, j'ai oublié mes affaires dans la voiture. Heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, sinon il ferait un sale temps. Oui, comme moi, j'ai oublié mes affaires dans la voiture. Oui, très drôle. Décidément, vous avez le mot pour rire. Allez, venez avec moi, on va trouver une solution à l'accueil. Écoutons ces braves gens, on ne sait jamais si on ne trouve pas d'hôtel. Bon ben, je crois qu'on n'a pas le choix. Dis-moi, Valentin, il te resterait pas un chalet dispo, ils sont tombés en panne. Et non, bien sûr, on est au complet. C'est la dernière quinzaine de juillet. Par contre, il nous reste des emplacements camping. C'est-à-dire que le camping, il faut déjà avoir une toile de tente. Oh, le camping, pourquoi pas ? Ça pourrait être amusant. Mais enfin, Anne-Charlotte, vous pensez à tous ces moustiques qui vous attaquent ? Non, merci. Moi, j'ai une solution. Je vous invite dans mon mobilhome. Je veux que tu me fasses un super Claude François. Faut juste trouver 2 ou 3 Claudettes. Et pour la tenue, t'as prévu quoi ? En tout cas, pas de tenue d'époque. La canette de l'école, là, c'est un foutu de ma gueule. Ne t'occupe jamais de ce que pensent les autres. Fais comme tu en veux. J'espère que tu n'as pas oublié ta perruque. Mais comment me séparer de ma perruque par bonheur ? Par là, je peux pas faire Claude. Alors ? Alors ? Si tu pouvais mieux la mettre, ce serait moins ridicule. Et là, c'est comment ? Ah, alors là, c'est mieux.
je veux être la Claudette. De frissons, dites lui que je pense à elle. Quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ses musiques. Tu es le fils de Monsieur Dubosc, le fils du patron. Il me faut les clés de notre mobile. Non, je regrette. Mon père est allé faire une course. Il ne revient que dans 2 heures. Mais pas de problème. Je peux le remplacer. De quel mobile s'agit-il? Valentin, c'est ça? Oui. Ah, mais vous êtes la famille Chatter. Oui, enfin, ce qu'il en reste après plus de 9 heures de route. Ah, la famille Chatter, mon père dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Cette année, mon père a mis en place un nouveau système informatique de réservation. Voilà, au moment des réservations, l'ordinateur vous attribue un nouveau chalet. On n'a plus le mobile homme numéro 5? Mais non, vous êtes au mobile homme numéro 6. En plus, c'est le même. Pareil. Et en plus, c'est juste à côté du mobile homme numéro 5. Vous pouvez voir autant que vous voudrez. Mais depuis 5 ans, on est habitué au mobile homme numéro 5. Il me faut les clés du mobile homme numéro 5. Ah non, au mobile homme numéro 5, ce sont des Normands. Les Bourlins. Quoi? Des Normands? Il est où ton père? Non, il est parti pour la journée, il ne revient que ce soir. Alors écoute, depuis 5 ans, on est au mobile homme numéro 5. Mais je peux rien y faire, je vous assure. Très bien, la famille Chatter ne passera pas ses vacances dans ce camping. Mais qu'est-ce qui se passe, Jessie? Tu peux emballer tes tongs, on rentre chez nous. Notre mobile homme. Ne soyez pas trop surpris, je remplace mon père. Ah, c'est le retour des plages pour le chaud. Les premiers arrivés, eh ben, ils ont le chaud. Pour les autres, le froid. Allez, plus vite! Cette année aussi, ils ont mis le stack de frites de l'autre côté de la route. Du coup, les gens courent plus vite pour que les frites arrivent bien chaudes chez eux. Allez, Véro, hop hop hop! Bienvenue dans le camping. Donc, voici votre mobile homme. La Picardie et kit de la carte magnétique et les copeaux des toilettes écologiques. C'est le camping moderne. Et juste une question, on n'a pas vu les horaires d'ouverture de la supérette? 9h, 19h, tous les jours de la semaine, sauf les dimanches, comme toutes les supérettes. Et pour les horaires de baignade, c'est quoi? C'est important. Mais dites-moi, Jonathan comment? Jonathan Hollande. Là, c'est drôle, on dirait le même nom que le président. C'est vrai, mais ça serait pas pareil. De mon recours, vieille famille de souche française. Vous souhaitez que nous attendions votre père? Non, faites-nous la visite. Mes parents sont absents jusqu'à demain soir, ce qui fait que j'ai de la place. Venez, je vous fais la visite. Chalet des mobilhommes. Mais attention, voici la chambre d'amis avec système anti-moustique. Et c'est quoi le système anti-moustique? Mon parfum. Quoi? Mon parfum, il est très efficace. Je vais poser toute la chambre. Vous êtes tranquille? Oui, on le sent bien. Alors ce mobile homme, pas mal, non? Ouais, un mobile homme, quoi. C'est sûr que c'est indispensable, le surf, l'endroit n'est pas idéal. Non, ça va, et puis c'est pas du surf, c'est juste du mouré. T'inquiète pas, l'activité est bien encadrée. Parce qu'après, c'est un cauchemar, ce type. J'ai peur qu'il ne monte sur son rocher. Je vais faire un beach. Écoute, Non, tu finis jamais tes phrases, toi. Là, elle va la finir. Écoute Jonathan, Joe si tu préfères. Ouais. Tout le camping est au courant de mes problèmes avec mon copain. Bon, je vous laisse. Il y a même une dame qui lui a offert une pâte de lapin pour lui porter chance. On a choisi ce camping pour être au calme. Tu comprends? Au calme. Je comprends pas le problème. Hé, copine, je vous ai inscrit en concours d'être Claudette ce soir. Je peux compter sur vous? Et ce camping, c'est Koh-Lanta pour toi, non? Ça fait des années que je passe mes vacances dans des hôtels.
Il a pas l'air facile, ton grand frère. Oui, il est autoritaire. Ça ne doit pas être facile de trouver un petit copain. C'est pas une priorité pour nous. Mais comment tu fais? Moi, j'en ai un à Nantes, un à Marseille et un chaque année au camping. Vous n'avez pas votre place. Pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, vous, vous êtes bien. Oh oui, je suis bien ici. C'est bien, je suis contente pour vous. Tu vois, la liberté, c'est de manger directement dans l'emballage. Excusez-moi, Jonathan. Vous faites quoi de toute cette journée ici? Tu vois ici, c'est comme un petit paradis. Et t'es souvent seule comme ça? Ça tombe bien que mes parents soient pas là, sinon c'est pour vous auriez dormi tous les deux. Alors, tu fais quoi de toutes tes journées ici? Piscine, camping, des copains et le soir, une petite boum! Bon appétit! Merci! Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a? Ben, tu n'as pas dit bon appétit. Pourquoi? Ben, tu n'as pas dit merci. Merci! Tu viens, Charlotte? Eh oh, tu vas où là? À la piscine avec mes copines. Elle est super bonne, je veux dire, l'eau de la piscine. Je suis là, le grand frère d'Anne Charlotte et je suis un peu sur sa responsabilité. Tu exagères un peu. Anne Charlotte, vous demanderez d'être prudente. À tout à l'heure, Anne Charlotte. Merci monsieur, on a compris le message. Ah les filles, vous tombez bien. Gigi est arrivé. Oui, tout à fait, et vous n'allez pas être déçus. Mais tu peux pas te taire. Comment ça, je veux pas être déçue? Ben, je veux dire qu'elle est en forme, toujours aussi belle. Elle est arrivée ce matin avec... Avec son père, oui, enfin, elle est heureuse de revenir ici. Et toi, t'es en forme, tout va bien? Ouais, ouais, mais l'année a été rude. Bon, ben, on va te laisser, on doit y aller. Et comment vous trouvez ma veste? Oui, très classe, peut-être un peu large. C'est une tenue qui devrait la faire bien vivre. Allez, Kevin. Allez, salut, Kevin. Bye, bye. Saleté, bah, ils se sont bien regardés, ces vipères. Toujours à petit, que ça va. Oh, Kevin. Oui, tu me reconnais pas? Jessie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en vacances, je viens d'arriver. Ah, mais si tu viens d'arriver, t'as dû voir Gigi. Que... Mais si, Gigi, tu vois bien, et elle t'a reconnu. Ah oui, ça, elle m'a reconnu. Bon, je peux te le dire, on s'est fâchés l'an passé, mais là, je sens qu'on va se remettre ensemble. Tu veux prendre quelque chose? Bien volontiers, un coca. Tu sais qu'il y a beaucoup de sucre dans un coca? Tu vois, je suis sûre qu'elle va revenir vers moi. Tu sais, tu ne la connais pas très bien. Ben, si, un peu quand même. On dit toujours, je t'aime trop tard, t'es d'accord avec moi? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu l'aimes trop tard. Oui, mais bon, j'espère pas. Et toi, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Ben, je passe un CE2 tranquille. C'est bien, et t'as eu le temps d'avoir une copine? Oui, enfin, j'espère. Comment ça, j'espère? Mais accroche-toi, Jean-Claude! Ne lâche jamais, mon Claude! Ah, vous vous êtes retrouvés. T'as l'air en pleine forme, Kevin. Cette année, t'as déjà des couleurs. Tu lui as parlé, mon chou? Parler, pas vraiment. On a juste bavardé. Je me suis trouvé un nouveau petit copain, mon chouchou. Tu ne le prends pas mal. Du tout, il fait une de chaleur ici. C'est très rouge, c'est normal. Je dois faire une allergie, je vais me changer, je suis en nage. Tu flottes dans ta veste, dis donc. Valentin m'a dépanné, il m'a donné trop grand. Change-la, c'est ridicule. Quelle merde cette veste! Je crois qu'on lui a pas annoncé de la bonne façon. Dis-moi, Popeye, on a toujours pas de chance, tu peux faire quelque chose? Mais enfin, Popeye, tu peux comprendre que c'est pas normal. Déjà, appelle-moi Valentin. Popeye, pour un clientèle, ça fait pas très sérieux. Et je suis juste le fils du propriétaire, je n'ai que 9 ans. Ça, on le sait, mais ça n'excuse pas ses problèmes.
Popeye, pardon, tu peux bien nous offrir quelque chose, non? Je veux bien préciser ta pensée. Une boisson ou glace. Bon, je veux bien faire un geste, mais juste pour une boisson. Bon, d'accord, on se contentera de ça. Tu veux bien me servir un coca, s'il te plaît? Eh bah, tu verras pas tout le temps, hein. Sans une copine. Et toi, ça se passe bien, mais Jean-Marie, tu es tranquille? Tu parles, il est toujours derrière moi à me surveiller, à tout rapporter à notre père. Donc, il n'est pas toujours marrant, ton frère. T'as raison. Et en plus, c'est l'anniversaire de mon frère et je sais pas quoi lui offrir. C'est l'anniversaire de Jean-Marie? Alors, laisse-moi faire. Joyeux anniversaire, Jean-Marie. Merci, Anne-Charlotte, ça me touche. Ouais. Anne-Charlotte nous a dit que t'aimais bien les sculptures. Au nom de tout le groupe, je suis heureuse de t'offrir ce cadeau. Et puis, ça peut servir de porte-clés. Tu lui donnes un nom? Un nom. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler... Joe. Joyeux anniversaire, Joe. Joyeux anniversaire, Joe. Joyeux anniversaire, Joe. Joyeux anniversaire, Joe. Bon ben les amis, je viens d'avoir mon père au téléphone et il faudra payer. Je suis désolée, j'obéis. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas que toi qui va payer. Alors, où est le problème? Bon, Popeye, enfin Valentin, pardon. Cette année, on se comporte comme de bons clients. On paye. Justement, c'est pas une question d'argent, on peut payer. C'est une question d'amitié, on paiera pas. C'est déloyal, j'ai envie de pleurer. Et encore une heure, je négocie pour vous. C'est vraiment pas possible. Mais évidemment, si t'as pas un problème à Kevin, je suis prêt à l'aider. Mais c'est hors de question, j'ai encore ma fierté. Ah, j'ai trouvé une solution pour Kevin. Ah, ça, pour Kevin, t'as une solution. C'est mieux, faut qu'on passe à la caisse. Une solution qui te conviendrait pas. Et pourquoi ça ne conviendrait pas? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Ah ouais, d'accord, si c'est la générosité à faire la bouniche au camping. C'est bon, on a compris, on va payer, nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vous ai pas demandé de faire les chiottes. Je vous ai juste demandé de ranger les chaises là-bas. Tu veux vraiment pas que je t'aide? Ou toi, fous-moi la peau. Nous aussi, on a été dans le Pays Basque espagnol à Pampelune et dans un grand hôtel. Enfin, un grand hôtel. C'est un premier étoile, quoi. Mais nous, on préfère le chalet mobile, mais c'est plus cool. Nous, ça fait déjà 3 ans qu'on vient ici. 3 ans? Mais pourquoi vos parents n'achètent pas de maison ici? Ben non, on serait obligé de tout le temps venir ici. Ben, puisque ça fait déjà 3 ans que vous venez ici. Mais là, c'est pas pareil. Si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça, le camping. La chanson, c'est aussi de la poésie. Tu dois pas être facile à vivre. Je l'appelle ma pauvre Gigi. Écoute-moi, Kevin, ne me fâche pas. Du calme, pourquoi tu t'énerves? Bon, les deux coqs, on se calme. Toi, tu vas rejoindre les poules. Salut. Viens, à la maison.
y a le printemps qui sonne. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, il y a le pommier en fleurs. Alors, je sais comment? Ouais, c'est magnifique. Ah, depuis le temps que j'attendais ce moment, je suis super contente. Oui, je suis dans une école de danse et je fais partie des meilleurs. Bon, on va se contenter de voir comment vous dansez. Je ne peux plus rien y faire. Eh ben, c'est pas terrible. Il faut leur faire avec. Attends, on soit indulgent. Mais bon, avec un peu de travail. Oh, Jessie, tu te dépêches ou quoi? Hé, un peu plus sérieux qui arrive, touche pas à l'ampoule. Comment il lui faut une sortie éclair? Oh, c'est les vacances, Joe. Jessie, le Claude François de la foire à l'andouillette. Tes Claudettes, elles sont là pour danser, pas pour autre chose. On se comprend. Gigi ira voir ailleurs. Oh, toi, ça va, hein. Quel enfoiré, celui-là. Tu sais que Manon, elle m'a demandé si j'avais une autre copine. Mais tu lui as rien dit, j'espère. Mais non, bien sûr. Alors, où est le problème? Et puis, je t'ai pas dit, j'ai revu Cindy. Elle a du flair, celle-là. Une fois avec la même, ça devient une relation. Tu m'étonnes qu'elle le sente. Tu dis rien surtout. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Je découpe le bande en réduction. Avec ce bond, t'as moins de 50 centimes. Celui-là, moins de 40. Et hop, t'économises sur tes prochaines courses. T'as la crème bronzante, protection totale. Oui, tiens. 5 euros. Mes parents m'ont pas laissé d'argent de poche, alors je me débrouille. La crise! Dis-moi, ils t'ont laissé de la bouffe quand même? Mes parents? Mais oui, bien sûr. C'est juste pour les extras, les consos au bar. Je le prends pas mal, mais je trouve que tu t'habilles pas terrible. La vérité, tu mérites mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? T'as installé le gaz ou quoi? Non, non, je suis attention, toujours l'orage qui arrive. Et si je ne crache pas une rigole, il y a un autre sous le là. Et tes parents, ils ne sont pas rentrés? Non. Non, ce soir. Par contre, ton père, lui, il est parti au garage ce matin. Il a rien dit? Non, juste qu'il en avait pour la journée. Jean-Marie, ça se passe pas très bien pour notre voiture. Et si on passe au petit-déj? Quelqu'un veut du banania? Non, merci. Moi, je veux bien. Jean-Marie, comment tu fais pour pas aimer le camping? Tu parles toujours autant le matin? Moi, tant que j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est pas quand tu seras mort que tu vas pouvoir le dire. Tu sais, Jean-Marie, tu vas peut-être trouver ça con, mais ma maman me manque. Heureusement, elle rentre ce soir. Je la connais pas, mais elle me manque beaucoup ce matin. Il est bon ton bananier. Tu es au courant pour la soirée du fin de séjour? Mais de quoi tu me parles? Mais la soirée karaoké, Valentin t'en a pas parlé? Si, il n'est pas en vacances, il a d'autres préoccupations que l'amusement. C'est dommage que tu t'inscrives pas, t'as une super belle voix, je t'ai entendu chanter. Non mais tout fatigue pas, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi tu n'essaies pas et toi? Je t'ai vu, t'es marin. Non mais si seulement je trouvais quelqu'un pour m'accompagner. Fais un solo, un truc comique, je t'ai vu, t'es marin. Ah mais ça c'est pour la soirée karaoké et pour la soirée boom après. Valentin m'a déjà proposé de l'accompagner. Quoi, Valentin, il n'est pas toujours avec Louisa? Bon, je suis pressée, je dois rejoindre mes parents. Hey, tu veux que je te raconte une petite blague? Pff,
si ça peut se faire plaisir. Il était une fois. Dites-moi, jeune homme, je n'ai pas de place pour mes gambettes. Vous m'excuserez, mais les jambes ne sont pas faites pour les chaises. Laissez tomber mon frère. Il n'a pas supporté sa défaite à la pétanque. Elle a les boules. N'importe quoi. De toute façon, vous avez triché. Ça va. Cherche pas d'histoire. Reste tranquille. Mais je suis prêt à accepter ses excuses. Non, mais n'importe quoi. Il manquerait plus que ça dans nos jeux rêves. Gigi, excuse-toi et on n'en parle plus. Montre-toi intelligente, présente tes excuses. Non mais de quoi je me mêle? On t'a rien demandé. Non mais ses excuses, elle peut se les garder, salut. Tu vois, j'avais raison, il prend la fuite. C'est plus fort que toi, il faut que tu fasses remarquer. Allez mes gambettes, installez-vous maintenant. Décidément, t'es pas sympa. Donc c'est fini avec Sylvie? Ouais, heureusement, on a sur la place, mais il faut pas déconner, je paye plus de la moitié. Mais c'est elle ou c'est toi qui as voulu rompre? Un peu les deux, ça faisait 3 jours qu'on se parlait plus. Et pour le petit chat, là, le roux que vous avez trouvé, vous avez décidé quoi? Je le vois 2 fois par mois, je l'ai toujours fait pour amitié, pas vrai. Je t'ai resté un peu de coca. Non, merci, j'arrête le coca, ça me donne des gaz et ça me galonne. Tiens, il y a la troupe pénible qui arrive. Ah, vous êtes là, les amis? Ça va, ton chalet, toujours pas pris? Ne m'en parle pas, je crois qu'il y a de gros problèmes dans l'organisation. On n'a même pas Canal Plus, comment je fais, moi, avec mes séries? Ah oui, je comprends, quelle misère. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Pourquoi vous râlez? Enfin, Valentin, pourquoi il y a tant de problèmes cette année? Je vous rappelle que je suis qu'une ado et que c'est mon père qui gère, mais là j'ai juste un peu. T'inquiète, t'es pas la seule à avoir ce type de galère. Nous, si ça nous arrive d'être obligés de remplacer nos vieux. Tu crois pas que tu exagères un peu? Qu'est-ce que t'en sais? T'étais même pas là. Gigi arrive, elle est là dans un quart d'heure pour votre répète sur la chanson de Clo-Clo. Elle arrive, mais il faut que je me charge. Ouais, où on peut aller? Au sanitaire, là. Oh, il va être déçu, le pauvre gars. Pourquoi donc? Parce que Gigi, elle arrive, mais pas seule. Elle est toujours avec Jessie, et ça, il n'arrive pas à l'accepter. Ah, d'accord. Remarque, il est malin, Jessie. Hein. Il se la joue Clo-Clo pour avoir du succès. Ça a été une année très difficile. Mon redoublement, mon vélo volé. Heureusement que ma nouvelle copine m'a bien soutenue. Je suis perdue, battue, je suis noyée, inondée d'amour. Je ne sais plus si je vis. Alfred de Musset, essayez la poésie, Jonathan, ça plaît aux filles. D'accord, c'est bien beau la poésie, mais tu vois le problème pour moi. C'est pas de les trouver, mais c'est de les garder. La fidélité, c'est de la mauvaise colle. Une invention pour faire croire que les deux parties peuvent tenir debout ensemble. Tu peux m'expliquer ça? J'ai pas tout compris. Les liaisons sont des certes faces tacites dont la morale peut désapprouver. Ah, je vois que t'as de l'expérience. L'expérience, certes, mais en poésie seulement. C'est dommage qu'elle ne soit pas là, ta copine. Elle arrive dans 8 jours. Elle est partie chez son père. Je te rappelle que ses parents sont divorcés. Mais d'habitude, elle va chez son père en août. Eh bien, cette année, c'est en juillet. Pourquoi tu t'énerves? Juste poser une question. Arrêtez de vous disputer. C'est les vacances. Et toi, Gigi, tu fais quoi en dehors de l'école? Je participe à des castings, des photos pour catalogue. Question, tu dois être fière. Elle a fait la dernière campagne de McDo. Et Louison, tu vas faire Claudette? Ouais, mais j'aurais préféré Alexandra et Alexandra plutôt que cette année-là. La vérité, c'est que j'ai pas encore décidé. Et t'avais pas mal assuré l'année dernière? T'as intérêt à assurer cette année. La concurrence risque d'être rude. T'inquiète, avec moi, bah, ça va et ça revient. Je vais être un Claude François d'enfer. Et au fait, tu t'es mis à lire toi? C'est pour faire plaisir à ma meuf. Elle aime me voir lire autre chose que des BD. Et puis cette année, j'ai décidé de passer un cap. Un cap? Oui, un cap.
Je vais m'ouvrir aux lectures chiantes et intellectuelles. Mais comment vous avez fait pour avoir un mobilhome? C'est Jonathan qui nous a hébergé. Ah oui, c'est un brave type. Hey, salut les filles, c'est moi, Kevin. Et toi, les garçons, tu les aimes comment? Grand blanc, aux yeux bleus et les cheveux très courts. Le nazi, quoi. Et les filles, ça vous dérangerait pas de me répondre? Et où ça va derrière? Il est mal à l'aise, le peignoir? Il fait chaud tout d'un coup, je vais aller me baigner. Alors, on en fait profil. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Ah, c'est bien, il est heureux au moins 5 minutes. Ça lui change vu qu'il arrive tout le temps. Faut dire, il n'a pas récupéré son mobilhome habituel, le numéro 5. Et vous, avec Valentin, vous avez l'air bien, non? Valentin, c'est plus le même. Depuis que son père lui a confié des responsabilités au camping, il est complètement devenu autoritaire. Mais pourquoi tu t'attaches à Valentin? Moi, je me suis séparée de Kevin pour Jessie. Avec les mecs, il faut savoir rester une fille libre. Tu viens ce soir à la boîte du camping? Mais comment on y va à la boîte? Faut être accompagné par un parent. Et avec les miens, c'est pas la peine. C'est Virginie, la mère de Jessie, qui nous accompagne. Elle est cool pour ça. T'es sûre, elle va pas nous faire genre au dernier moment? J'y vais pas, tout ça. Mais non, la super morale et tout. Vite, va te préparer, on se retrouve tout à l'heure. Dis donc, j'espère qu'il y a Jean-Marc à la boîte. Et en parlant de Jean-Marc, il m'est arrivé un truc, je te raconte pas. Et bah, j'aurais bien aimé que tu me racontes, moi. Mais si, je te raconte. Ah bah, alors vas-y, dis-moi tout. Tu sais qui m'a téléphoné? Qui ça? Jean-Louis. Qui ça? Jean-Louis. Jean-Louis? Ah ouais. C'est pas vrai. Ben lui, il est grave. Vraiment grave. C'est genre, il sort un truc intelligent, il se retourne voir si c'est pas quelqu'un qui l'a dit, tu vois? Oh ouais, et t'as vu tous les boutons qu'il a sur la tête? Oh, on dirait une calculette, ce mec. D'accord, on y va? Ouais. Bonjour, Valentin. J'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Ah, c'est bien, je crois que j'ai l'application. Bon ben, c'est pas compliqué, sncf.com. Sncf.com pour aller dans la ville de Pau. C'est ça les horaires de train pour aller dans la ville de Pau? Alors Pau? Oui, Pau, avec un P. Alors Pau? Oui, comme ça s'écrit pareil. Pau? Et oui, ben je suis pas arrivée moi. Hein. Alors vous avez un départ de la gare de Montebourg de 6h55, arrivé à Pau à 15h23, ensuite départ 8h32, arrivé à Pau à 17h43. Oui. Après, 17h42 et 19h05, c'est un rapide. Mais je comprends. Après, il y a 13h20, arrivé à Pau à 21h16, 17h02, arrivé à Pau à 23h03, 18h40 et arrivé à Pau à minuit 22. Oui, alors c'est ça les trains, Valentin, pour aller sur Pau? Oui, j'aimerais, parce que tu m'as demandé Pau. Non, mais il n'y a pas de problème, ils sont directs? Non, c'est de 13h20, il y a un arrêt à Bordeaux. Quoi? Il y a un changement à Bordeaux pour aller de Toulouse à Pau? Ben oui, sinon vous auriez en Bretagne. Il y a des vedettes là. Il y a des vedettes, vous êtes marrant. Vous n'auriez pas un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57? S'il y a qui part à 5h13.
Ah, très bien. Et qui arrive à Pau à 22h23. Mais il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à La Rochelle. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, il y en a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben c'est bien. Mais il y en a. Tant mieux. Ils roulent dans la nuit. Ça oui. Ben, c'est le train qui roule la nuit. Quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Il roule. C'est la nuit, d'accord. Bon, ben finalement, je crois qu'on va attendre la réparation de notre voiture. Merci pour tous ces renseignements, Valentin. Mais à votre service, Jean-Marie. Rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning. Quand tous les matins font des feux, son lit, tu peux pas te taire. Quand tous les matins font des feux, petit déjeuner. Quand tous les font yogurt, bonne débile. Alors on est tous d'accord pour dire Magnola, Magnola, Magnola. Et qu'est-ce que tu fous là? Ben, j'aimerais bien rejoindre votre groupe. De quoi? Savoir qu'il lui manque une Claudette. À l'audition, c'était moyen. Claude a composé une chanson, laquelle? Comme d'habitude, en 1967. C'est bien, voici la seule Claudette. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais la trouver, main, l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit, juste pour elle. Elle s'en ira. C'est bon, vous pouvez la garder. Your girl is crying in the night.
partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part, et se planque, comme un loisir. Tu tires, tu la tires et tu la manques. Ça, une partie de pétanque, ça fait plaisir. Merci, merci, c'est un thème ta gare. Bon ben, maintenant c'est à vous de jouer. Les gagnants ont un super cocktail. Jessie, c'est dommage qu'on ne participe pas. Écoute ma puce, faut pas risquer une blessure avant le concours de Miss Camping. Tu m'as inscrit mais t'es fou. C'est la plus belle, les autres n'ont aucune chance. Il est ridicule ce jeu, tu trouves pas? Moi je suis là pour faire plaisir à Valentin. Et c'est comment la musique? Différent, très différent. Charlotte m'a dit que tu n'avais pas de petite copine. Bon, je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser. En principe, je rentre demain. Au revoir. Moi, je m'appelle Annabelle, tu peux pas s'enlever. Tu as une amie, mais tu peux pas s'empêcher d'en avoir une autre. Un malade! Aïe! À moi, je voulais pas entendre! Putain, j'ai les boules de partir demain. Il y a comme du changement dans ta façon de parler. Et ton frère, il t'a autorisé jusqu'à quelle heure? 10 h. Pas plus. Eh ben moi, avec les miens, j'ai résolu le problème. Quand je veux sortir, je les endors au somnifère. Père nous a dit jusqu'à 10 h. Dis-moi, sois cool! Tu peux lui dire que tu l'as pas trouvé, tu peux faire ça au moins ta sœur. C'est quoi votre prénom? Kevin, et toi, c'est quoi ton prénom? Jean-Marie, mais je ne peux pas me connaître. C'est quoi ça de mouiller sa sœur et les amis de son âge? Non, laissez tomber, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents, ils m'ont abandonné. Comment ça? Ça fait 4 jours que je suis seule. Et ils viennent de me dire qu'ils ne reviendront tout d'un seulement 2 jours. Mais tu t'en sors vraiment très bien tout seul. Charlotte, vous pouvez faire vos valises. On s'en va, la voiture est prête. Et Père arrive dans 1 h. Comment ça partir aujourd'hui? Ce soir, j'ai une soirée dansante. Une soirée? C'est le terme exact. Bon, Anne-Charlotte, ça suffit. T'as qu'à prévenir ton prix Nobel qu'on doit partir. Tu m'excuseras, ma sœur, mais moi, j'en peux plus du village de Cro-Magnon. Le matin, je regarde mes pieds, j'ai les tongs qui poussent. J'ai pas envie de ressembler à l'autre imbécile heureux. Non, vous savez pas bien, Charlotte? Eh, je vous parle! C'est nous, le village de Cro-Magnon. C'est ça? J'ai tout entendu. Mais qu'est-ce que t'aurais fait sans nous, hein? Oh, le lait est trop froid. Oh, trop chaud. Oh, mais aussi ça pique. J'ai peur des guêpes. N'empêche que mes parents, ils ont une voiture moins classe que la tienne, mais au moins, elle marche. Et ta soeur, t'as même pas vu qu'elle était amoureuse. T'as pas vu qu'elle était amoureuse parce que c'est un minable de notre cour. Un minable! Un minable! Ciao! Je comprends pas la réaction de Kevin. J'ai l'impression qu'il est jaloux qu'on soit ensemble. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Il m'a fait une de ses peines. On aurait dit un pauvre petit animal blessé. J'ai pas le droit de l'ignorer comme ça. On est quand même sortis 10 jours ensemble l'année dernière. Petit animal, tu parles. Un vieux saumon. Et il s'en remettra? Non, non. Il y a quelque chose qui cloche. Je vais aller lui parler. Ça lui ressemble pas de refuser que tu payes. Non, laisse-le. Tu viens pas à l'apéro? Tu crois bien que j'ai pas fini?
Ne me prends pas pour une imbécile, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout va bien, j'ai oublié ma valise chez moi, on me prête des fringues ridicules, mon père m'a supprimé tout mon argent de poche, à part ça, tout roule. Je parle de notre situation à tous les deux. Oh, ben notre situation à tous les deux, elle est merdeuse, parce que tu déboules avec l'autre nain qui va te servir de petit copain. Non mais tu me fais une scène de jalousie là, je t'ai jamais rien dit quand je t'ai vue avec Charlotte. Ça fait un an qu'on n'est plus ensemble, j'ai un nouveau petit copain, je vois pas où est le problème. Excuse-moi mais j'ai pas terminé le travail de deuil. Allez, viens profiter de l'apéro qu'on soit tous ensemble. Très chouette tes fringues. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle fout, bon Dieu? Bon Dieu, si tu crois pas que Gigi est en couple avec toi par affection plutôt que par intérêt, parce que ça se voit, elle apprécie beaucoup des cadeaux. Hein. Mais pas du tout. Elle m'apprécie pour ce que je suis, pas pour l'argent que je possède. Ah, c'est un plaisir de vous voir tous réunis, petit pot. Et Jessie, tu veux pas une petite coupe? J'ai la formule ou je mange comme vous ce soir? Oh non, arrête, ne sois pas ridicule, t'es notre invité. Tu vas pas payer. Ah, chouette, enfin, je veux pas pouvoir faire le ménage. Non, arrête, ne sois pas ridicule, t'es notre invité, tu vas pas payer. J'ai tout arrangé, tout va bien. Tout va bien pour qui? Arrête, sois pas ridicule. T'as mis cette tenue? Pourquoi ça va? Si, très bien. Elle est super ma blague! Ouais, elle est super. Mes amis, je suis content qu'une fois de plus, on soit tous réunis. Alors, je lève mon verre à l'amitié. Oui, l'amitié, c'est très important. Faut que tout le monde s'en rappelle. Alors, à l'amitié. Bon, ils sont tous d'accord. À l'amitié. À l'amitié, malgré tout. Tu peux pas te taire. Alors merci à tous les campeurs de m'avoir appris certaines choses comme creuser une rigole avant que l'orage arrive. Tu veux pas boire un peu de rosé avant de partir? Non merci. Bonnes vacances les Montrecours. À vous aussi les campeurs. Quant à toi Jonathan, je trouve que tu es quelqu'un d'attachant. Et puis toutes mes excuses encore si j'ai été maladroit. Allez salut! Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Tu t'en vas? Ben ouais, ça fait même la réserve une semaine. La crise! Bête. Tiens, j'ai une chose pour vous deux. Un petit cadeau. Merci. Merci, Dio. Tu sais, ça m'a fait du bien de te connaître. Et si tu passes par Nantes, tu sais, je t'ai jamais demandé, mais tu t'appelles comment? Hollande. Jonathan Hollande. Hollande? Non, c'est une blague. Hollande, mais tu lâches rien, ma parole, la bonne humeur, c'est ça? Bon, allez, faut que je finisse mes rangements. Que je change et puis surtout, vous dites rien à personne parce que les. Au revoir! T'inquiète, tu dors. Moi aussi, pas trop bien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai. Je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je reviendrai danser
je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Ce que j'ai pensé à toi, les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Là-bas, j'étais tranquillement installée. Et là, on vient me voir, on me dit « Oui, t'es grand, tu déranges. » Alors là, je suis désolée, me faire maltraiter comme ça, alors ça, jamais. Alors là, j'ai le Valentin. Et tu sais que moi aussi, tout à l'heure, je vais le chercher. Parce que là, tu vois le karaoké, là. Et bien moi, je voulais chanter du Patrick Sébastien. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu Patrick Sébastien. Ah, ils peuvent mettre tous leurs chanteurs à Minette, Jacques Brel et compagnie. Mais Patrick Sébastien, sorte de la chanson. Et tu crois qu'avec toutes ces chansons-là, ça met beaucoup d'ambiance? Regarde-les là, avec leur tête, voilà. Attends, avec Patrick Sébastien, alors là, on ferait tourner les serviettes, hein. Tu sais, je vais te dire, hein. Alice, tu connais pas Joe le vrai. Joe, il a été au Feria de Mont-de-Marsan, ici à côté, là. Eh bien, je te dirai là-bas, pour mettre de l'ambiance, il n'y a que Patrick Sébastien, hein. Mais tu sais que moi aussi, j'y étais. Tu as été au fait de Mont-de-Marsan? J'irai de Pampelune jusqu'à Bayonne, j'irai de Dax jusqu'à Mont-de-Marsan. Je ferai le plus grand pèlerinage, le festin de tous les temps. Bon, allez, le Valentin, on les gorges. Ouais, c'est bon. Sur un visage, derrière une vitre.
dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, il suffit toi, et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, voilà, voilà, voilà. Oh, Champs-Élysées, voilà, voilà, voilà. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, voilà, voilà, voilà. Oh, Champs-Élysées, voilà, voilà, voilà. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Que
des yeux qui font.